Donc, bonsoir à tous. Nous sommes donc en live avec Éric Darche, que je remercie de sa Il y a présence. combien de personnes là actuellement? Je suis Oriane. Combien il y a de personnes qui regardent alors? Je ne sais pas. 10, 9, 10, quelque D'accord, chose comme bon, ça ça pour le moment. Les gens vont arriver. va. Je suis Oriane, créatrice de René, donc retrouver sa nature intérieure terrestre et sensible, qui propose un autre regard sur le monde. Donc Éric Darche est naturopathe et hygiéniste, et il est également conférencier et organisateur de stages spécialisés en nutrition. Il est également l'auteur de 9 livres, dont l'alimentation idéale des jeunes et l'hygiénisme de l'alimentation et l'alimentation vivante, pardon. Fort de son expérience, il va donc ici nous proposer sa vision de la naturopathie et de l'hygiénisme face à la réalité. Éric, donc, il me semble que l'hygiénisme et la naturopathie, sans être antagonistes, ont des nuances différentes. Qu'est-ce que tu en penses si je dis que l'hygiénisme part des principes d'homéostasie, donc de la capacité du corps à s'auto-guérir en cherchant à enlever les éléments perturbateurs, tandis que la naturopathie soigne plutôt à partir d'éléments extérieurs tels que les huiles essentielles. Qu'est-ce que tu en penses? Si on venait à poser cette question à un naturopathe pur et dur, il ne serait pas d'accord parce que certains naturopathes ont une approche holistique. En fait, l'hygiénisme et la naturopathie, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, en tout cas en l'occurrence chez les hygiénistes purs et durs qui considèrent que la naturopathie est une approche, carrément, ils disent une approche dévoyée de l'hygiénisme. Moi, ça fait 27 ans que je fais ce métier. Je suis hygiéniste et naturopathe. Je peux tout à fait définir l'hygiénisme et la naturopathie. Ceci dit, on peut être naturopathe et intégrer les notions d'hygiénisme. Pour moi, il n'y a pas d'antagonisme. Mais dans la pratique, c'est vrai que un hygiéniste est plutôt quelqu'un qui a une approche, souvent, qui a un discours global. Voilà, il a une approche holistique. Alors, les Je te naturopathes, coupe alors, si on préciser commence la différence entre hygiénisme et naturopathie. par... Ouais. Alors, pour moi, un naturopathe devrait être un hygiéniste, enfin, quasiment automatiquement, quoi, puisqu'il devrait avoir une approche. Un hygiéniste, c'est plutôt quelqu'un qui a une approche globale et holistique, ce que devrait avoir un naturopathe. Par contre, un naturopathe, en général, a plus de techniques, entre guillemets, qu'un hygiéniste parce qu'il a appris toutes sortes de techniques comme la phyto, l'aroma, la balnéothérapie, ceci, cela, ce qui n'est pas forcément l'apanage de l'hygiéniste. Ça peut l'être, mais pas forcément. En tout cas, moi, je vois une complémentarité à être les deux, puisque un hygiéniste a une approche globale de la santé et le naturopathe, en même temps qu'il a une approche globale, c'est aussi un technicien de la nutrition, mais aussi quelqu'un qui connaît bien la phyto, l'aroma, la gémo, la balnéothérapie et j'en passe. Voilà. Donc, alors maintenant, on va définir un Oui. peu l'hygiénisme et ensuite on repartira sur la naturopathie si les gens le souhaitent, mais si tu veux bien, on va Oui, est-ce que repartir tu peux nous donner sur l'hygiénisme. Tu es d'accord? si tu peux nous donner les lois qui sous-tendent les deux, tout à fait. Déjà, l'hygiénisme remonte à la mythologie grecque avec Esculape, qui était le dieu de la médecine, et sa fille est Hygie, déesse de la santé. Et là, on est 2500 ans en arrière. Donc, on voit que les fondements de l'hygiénisme, c'est quand même, ça a une réelle antériorité. Très Ensuite, ancien. l'hygiénisme, les Ouais. premiers balbutiements, c'est au 19e siècle. Alors, on peut citer au 19e siècle le docteur Isaiah Jennings, Sylvester Graham, Russell Trall, Taylor, Ellen White, voilà. Ensuite, au 20e siècle apparaissent, non, vers les années 1900, apparaissent d'autres hygiénistes comme le docteur Tilden, James Thomson pour l'Angleterre. Et puis, l'hygiénisme contemporain était particulièrement développé au 20e siècle avec le docteur Shelton. Et puis en France apparaissent Albert Mosseri, Désiré Mérien, André Passebecq ou encore le docteur Polter.
voilà un peu les personnes clés, les hygiénistes clés qui représentent l'hygiénisme. Ensuite, l'hygiénisme a quelques préceptes, concepts qui sont inaliénables, qui sont vraiment le fondement de l'hygiénisme, comme quoi, déjà, il faut toujours chercher la cause de la cause de la cause des troubles de santé. C'est très important, cette notion de cause, parce que l'allopathie, en règle générale, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a comme approche? Une approche symptomatique. On a un bouton, on essaie de le faire disparaître. Le Alors que symptôme. si vous allez voir un hygiéniste naturopathe, il va essayer de comprendre quelle est la genèse du bouton. Chez une personne, le bouton pourra avoir une origine hormonale. Pour d'autres, c'est une origine digestive. Pour un autre, ça sera peut-être une défaillance hépatique. Donc, on voit déjà que le même symptôme peut avoir différentes origines et que c'est très important de faire une recherche. Et l'hygiénisme prône le fait de rechercher la cause de la cause de la cause. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est Ouais. inhérent à l'hygiénisme et aussi à la naturopathie, pour moi. Ensuite, OK. l'hygiénisme considère que la cause de la maladie, c'est la toxémie. Alors, ça a besoin d'être un peu affiné. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans toxémie, dans toxine, il faut mettre tout ce qui est étranger, qui est délétère pour la santé. Ça peut être des toxiques d'origine alimentaire, ça peut être des toxiques d'origine médicamenteuse, ça peut être des toxiques d'origine émotionnelle, parce qu'on sait que le stress provoque toutes sortes Le stress. de molécules toxiques. Par différents mécanismes. Donc, les toxiques, il faut essayer de voir cette notion la plus large possible. Elle n'est pas forcément d'origine alimentaire. Elle peut être, comme je l'ai expliqué, d'origine émotionnelle. Ça peut être l'air, ça peut être l'eau, ça peut être les aliments qu'on mange, ça peut être la terre qui est altérée. Donc, voilà. Donc, moi, ça, je l'avais appris dès le départ. Et je pense que c'est une notion très importante lorsqu'on essaye d'aider un patient, on essaye de trouver dans un premier temps les causes de toxiques, dans son sens le plus large possible. Ça peut être aussi des, comme je l'ai expliqué, des émotionnels. Voilà. Les conflits, tout ça, ça génère des toxiques. Ouais. Ensuite, avec la notion de toxique, il y a une autre notion qui doit être vraiment investiguée, c'est la notion de carence qui est de plus en plus présente dans nos vies actuelles. C'est vrai que lorsque j'ai suivi l'enseignement d'André Brasbecq, ça remonte à 27, 28 ans, même plus, on ne parlait pas trop de carence à cette époque-là, même si il y avait des choses à redire, parce que la nourriture n'était pas autant raffinée, altérée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens que je rencontre parmi mes patients, Ouais. sont des gens qui sont carencés. Carencés, souvent en oligo-éléments, en minéraux, et puis d'autres en acides gras ou d'autres en acides aminés selon les régimes qui suivent. Mais en tout cas, la notion de carence est présente chez beaucoup d'entre nous pour expliquer la genèse des maladies. Donc déjà, voilà, on voit déjà On va de à plus partir en plus vers l'ultra transformé. comment? Ouais. Comment? On va de Est-ce que plus en plus vers une alimentation ultra transformée. ça. Et non seulement elle est ultra transformée, mais elle est riche en additifs de synthèse. Donc ça pose des problèmes, puisque là on est dans le toxique. Oui. En fait, si on cherche bien, eh bien, la cause de quasiment toutes les pathologies, peut-être pas sauf les maladies héréditaires, mais la quasi-totalité des maladies, on retrouve l'origine dans les toxiques. Dans sa palette, son aspect la plus large possible, les carences et aussi, il faut rajouter les excès, puisqu'on est dans une société où on a tendance à être en excès de corps gras, en excès d'acides gras saturés, en excès pour certains de protéines, en excès de sucre. Donc, voilà trois piliers sur lesquels il faut investiguer lorsqu'on démarre une consultation, les toxiques, les excès, les carences. Ensuite, on peut affiner le travail par des approches un peu plus, entre guillemets, scientifiques.
c'est le processus inflammatoire et le stress oxydatif qui sont à l'origine d'énormément, voire la quasi-totalité de toutes les pathologies. Qu'elles soient bénignes ou graves, que ce soit dans une sinusite, une rhinite, on voit ces processus déjà présents. Et dans les pathologies graves comme le cancer, les scléroses en plaques, maladies de Crohn, etc., alors le stress oxydatif et le processus inflammatoire qui s'emballe est très souvent très présent. Donc, c'est intéressant parce que là, on a des clés. En fait, il suffit de s'intéresser à la toxémie, aux excès alimentaires ou aux excès comportementaux, le fait de regarder trop l'ordinateur, le fait de trop parler, le fait de faire trop de sport, par exemple. C'est un excès. Pas suffisamment dormir. Voilà, exactement. Ouais. Et ensuite, les carences. Les carences, ça peut être les carences de sommeil, les carences affectives, les carences relationnelles et les carences micronutritionnelles. Voilà. Et moi, en tout cas, c'est ce que je conseille. Ouais. Je suis en train de créer une école et avec ces concepts-là, on a moins besoin d'être un technicien de la maladie. D'ailleurs, un naturopathe hygiéniste, contrairement à un médecin, c'est un spécialiste de la maladie. Un naturopathe hygiéniste, c'est plutôt un spécialiste de la santé. C'est-à-dire qu'il va essayer de corriger les causes de la maladie et favoriser le retour à la santé. Et le corps nous y aide énormément. Grâce à quoi? Grâce à l'homéostasie. L'homéostasie et le vitalisme prôné par l'hygiénisme et la naturopathie suggèrent l'idée que dans l'organisme, dans le corps humain, il y a une énergie qui est intelligente. Ça, c'est un concept qui n'est pas très, entre guillemets, scientifique, dans le sens que la médecine allopathique ne reconnaît pas au corps cette intelligence. Il ne reconnaît pas cette énergie intelligente. Alors moi, je vais essayer de donner quelques exemples concrets pour suggérer l'idée de cette intelligence du corps. Par exemple, on sait que lorsqu'on jeûne, qu'est-ce que c'est jeûner, hein? C'est se priver d'alimentation, c'est-à-dire que nos besoins ne sont plus assurés a priori, puisque nos besoins en glucides, en lipides, en protéines, en micronutriments sont satisfaits grâce à la nourriture. On est d'accord sur ce concept? On est d'accord? Tout à fait. Lorsqu'on jeûne, on n'a plus d'aliments. Comment ça se fait que pendant au moins une trentaine, voire une quarantaine de jours, pour les jeûnes les plus longs qui peuvent aller même jusqu'à 50 jours pour certains, comment ça se fait qu'on ne meurt pas immédiatement? Déjà, il faut respirer, donc on continue à respirer, il faut boire. Et dans le jeûne hydrique, on respire, on boit et on ne mange plus. Comment ça se fait qu'on continue à vivre? Parce qu'au lieu de s'alimenter de l'extérieur, grâce à une alimentation, on s'alimente grâce à des autolyses. C'est-à-dire que l'organisme va récupérer des glucides, des protéines, des vitamines, des minéraux, en brûlant, entre guillemets, ses propres tissus, et en les oxydant, et ainsi récupère les acides aminés, les protéines, voilà. La conséquence de cette autophagie, c'est qu'on est en train de vivre au détriment de nos propres réserves, de nos propres graisses, de nos propres muscles. On est d'accord là-dessus? Le danger, c'est qu'on dépasse une certaine limite. Cette limite, elle a lieu aux alentours de 40-50 jours pour la majorité d'entre nous. Maintenant, pourquoi j'ai parlé de jeûne? Parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, que dans les camps de concentration en Allemagne, où on a récupéré à la fin de la guerre des personnes qui n'avaient, comme on dit, plus que la peau sur les os, eh bien, ces personnes qui étaient à l'article de la mort, l'organisme avait autolysé toutes les graisses, tous les muscles. Il ne restait plus que le squelette et malgré tout, elles n'étaient pas mortes. Et tu sais pourquoi elles n'étaient pas mortes? Parce que comment l'organisme a fait? Il a déversé des enzymes dans les tissus pour autolyser ses propres réserves, mais il n'a pas déversé d'enzymes ni au niveau du cerveau, ni au niveau du cœur. Et ça, si on me dit pas que c'est l'intelligence du corps qui a privilégié ces deux organes en évitant toute autolyse, parce que s'il avait déversé des enzymes au niveau hépatique et au niveau du cœur et au niveau du cerveau, évidemment. Du cerveau, ça aurait été fini. Et en fait,
il aurait pu le faire, l'organisme aurait pu être tenté de le faire, parce que le cerveau est composé de 60% de corps gras. Donc, et les corps gras étant une source importante de calories, pourquoi l'organisme ne déverse pas d'enzymes au niveau du cerveau, alors que c'est une bonne source de corps gras? Parce qu'il le sait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que s'il déverse des enzymes au niveau du cerveau, eh bien la personne peut-être continuera à vivre si on la réalimente suffisamment, mais elle sera un légume. Elle n'aura plus Donc, rien. voilà, c'est par rapport à des choses factuelles qu'on voit qu'il y a une intelligence somatique, une intelligence comme un être humain qui est capable de réfléchir, eh bien l'organisme sauvegarde ses organes qui sont intouchables, parce que si on venait à les dégrader, la mort serait ultra rapide derrière. Donc, Léonore demandait, tu as parlé de stress oxydatif. Léonore demandait ce que c'est. alors, un stress oxydatif, comment expliquer ça? Si par exemple, je prends un bout de métal et que je ne le peins pas, eh bien, il ne sera pas protégé par l'oxydation, il va commencer à rouiller. Vous êtes d'accord? C'est le métal lui-même qui va se dégrader. Eh bien, comment on protège ce métal? Avec de la peinture. Eh bien, cette peinture, ça joue un peu le rôle d'un antioxydant. Lorsqu'il y a un stress oxydatif, le stress oxydatif peut dégrader tous les tissus, les acides aminés, les protéines, les corps gras, etc. Il se trouve, par exemple, que les cellules ont une membrane autour de la cellule qui protège, entre autres, la cellule. Elle a un rôle de sélection, c'est-à-dire qu'elle laisse passer certaines molécules, pas n'importe lesquelles. Donc, elle a un rôle très important de tri. Cette membrane est donc très importante pour la cellule. Il se trouve qu'elle est faite de corps gras. Et s'il y a un stress oxydatif important, on parle de peroxydation lipidique. Les radicaux libres, ce sont des molécules. On parle d'électrons célibataires qui vont vouloir chercher à créer un couple, voilà, d'électrons. Et à ce moment-là, ils peuvent le faire au détriment de la membrane et ça provoque un stress oxydatif et ça va dégrader la membrane. C'est un des exemples du stress oxydatif, comment le stress oxydatif peut altérer l'organisme. Par exemple, le docteur Blaylock explique que la très grande majorité des pathologies d'aujourd'hui, comme Alzheimer, Parkinson, maladie de Lou Gehrig, sclérose en plaques, et j'en passe, cancer, etc. Ces maladies ont comme genèse, entre autres, le stress oxydatif. C'est le stress oxydatif qui démolit tout lorsqu'il est exagéré. Et pour contrer le stress oxydatif, il faut des antioxydants. Et où est-ce qu'on trouve les antioxydants? Eh bien, dans les antioxydants, ça peut être la vitamine A, la vitamine C. Il y a des minéraux, des oligo-éléments, même des acides aminés qui peuvent jouer aussi le rôle d'antioxydants. Donc, on voit que c'est très important de bien se nourrir pour freiner ce stress oxydatif. Et ce stress oxydatif, a lieu surtout lorsqu'on n'a pas cette compensation avec ces antioxydants et aussi par certains comportements. Le stress émotionnel provoque du stress oxydatif, le fait de boire de l'alcool, de fumer, tout ce qui ne respecte pas les facteurs de santé peut être une source de stress oxydant. Voilà. Sylvain demande du coup, qu'est-ce que tu appelles carence affective et émotionnelle? Eh ben, un être humain, ce n'est pas quelqu'un qui uniquement mange des aliments. C'est aussi quelqu'un qui a besoin d'échanges relationnels, affectifs pour s'équilibrer. Donc, le fait d'avoir des carences émotionnelles ou des carences relationnelles peut créer un stress, peut créer un désarroi, peut créer de la dépression et avoir comme conséquence un stress. Au départ, c'est un stress émotionnel. Il s'en suivra un stress biochimique qui occasionnera les mêmes altérations au niveau cellulaire qu'un stress purement biochimique. Voilà. Lorsqu'on est stressé, on génère des hormones du cortisol, du cortisone, de l'adrénaline, qui occasionnent
lorsqu'ils sont en excès, des stress chroniques au niveau des radicaux libres, etc. Voilà. Ouais, super, merci. Donc, excuse-moi. Vas-y. Alors, une notion très importante, je voudrais juste terminer par tu me demandais les éléments les clés lois. De l'hygiénisme. Ouais. Alors, on a vu rechercher la cause de la cause de la cause, corriger toutes les sources de toxiques, d'excès et de carence. Et ensuite, les mécanismes que je souhaitais mettre en avant, c'est la capacité du corps à s'auto-réparer, à s'auto-réguler grâce à l'homéostasie. Qu'est-ce que c'est l'homéostasie? C'est la capacité du corps à réguler des constantes, comme la tension sanguine, la température, ce sont des mécanismes, la digestion, c'est des mécanismes dont on n'a pas conscience, mais qui régulent et qui favorisent la pérennité et l'intégrité le du pH, corps. Comment ? Le pH, notre pH, l'acide de l'estomac, alors, tout ça. Ce qu'on appelle la bioélectronique de Vincent, la résistivité, l'oxydoréduction, le pH, ce sont des mesures qui sont constamment régulées par des mécanismes automatiques, l'homéostasie. Et cette notion de vitalisme, alors les naturopathes mettent en avant deux notions, le vitalisme et le causalisme. Le causalisme, on a vu, chercher la cause de la cause de la cause. Et le vitalisme, ça suggère l'idée que le corps dispose d'une énergie et que d'ailleurs, comment ça se fait que les jeunes enfants font beaucoup de fièvre alors que les adultes ne font pas beaucoup de fièvre. Les jeunes enfants, lorsqu'ils sont malades, ils font beaucoup de fièvre, une forte fièvre, et 48 heures ou 3 jours après, on les voit de nouveau courir. Parce qu'ils disposent d'une énergie vitale importante et qui est nécessaire pour réguler grâce à une maladie aiguë. Maladie n'est pas… Il y a une différence entre une maladie aiguë et une maladie dégénérative. La maladie d'un enfant est une maladie aiguë qui va favoriser la restauration de l'intégrité du corps humain. Grâce à une fièvre, lors de la fièvre, on a des processus d'élimination intense où l'organisme va éliminer ces toxiques et de nouveau, l'enfant, quelques jours après, va se sentir bien parce que grâce à cette maladie aiguë, qui n'est pas destructrice et qui est au contraire salvatrice, va participer à reconstruire l'intégrité du corps humain, l'intégrité du jeune, en l'occurrence. Super. Tu nous as exposé là les lois, enfin qui sous-tendent l'hygiénisme et la naturopathie. Est-ce que tu vois plusieurs chapelles au sein des deux corporations, hygiénisme et naturopathie? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des... Ça, c'est vrai. Il y a des... Moi, ce soir, je ne souhaite pas me faire d'ennemis. Hein. Je le dis bien. C'est des sujets... des fois, on a l'impression de marcher sur des œufs. Mais puisqu'on me pose la question... je ne généralise pas. Moi-même, je suis hygiéniste, donc je m'entends avec plein d'hygiénistes, ce n'est pas le souci. Mais il y a des hygiénistes qu'on pourrait considérer comme des hygiénistes intégristes. Le mot ne va pas leur plaire, mais en tout cas, ce sont des hygiénistes rigoureux qui prennent leur fondement chez les hygiénistes comme Shelton il y a un siècle en arrière. Sauf que Shelton, il y a un siècle en arrière, je ne le critique pas, mais il n'avait pas forcément toutes les connaissances scientifiques que l'on a aujourd'hui. Et par exemple, certains hygiénistes considèrent que l'usage des compléments alimentaires est une erreur et jamais on devrait utiliser quoi que ce soit. L'organisme est capable de restaurer en permanence son intégrité. Eh bien, ça, pour moi, je vais en faire la démonstration, c'est une erreur. Partir du point que dire que l'organisme favorise la restauration permanente de l'intégrité du corps humain, ça c'est une réalité. Par contre, quelqu'un qui est anémié, quelqu'un qui a perdu 2 litres de sang ou 3 litres de sang, est-ce qu'il est en mesure de bénéficier à l'instant T de sa capacité maximale de restauration de son intégrité? Ben non. Et ben à ce moment-là, il faut appeler les urgences, il faut peut-être lui faire
lui faire un supplément de sang ou pour ceux qui préfèrent, bon, je sais que la pratique ne se fait pas, mais il y a l'eau de mer qui marche très bien, il y a des expériences qui l'ont montré. Bon, peu importe la technique que l'on utilise, mais à certains moments, pour moi, c'est indispensable d'intervenir. Et il y a des hygiénistes qui disent que quoi qu'il arrive, il ne faut jamais intervenir. Ça me paraît être un discours excessif. Et alors, évidemment, cette catégorie d'hygiénistes préconise le refus catégorique, enfin, ils refusent catégoriquement l'usage des compléments alimentaires, quel que soit le niveau de santé, en disant que les compléments alimentaires, l'organisme n'en a pas besoin, il a toujours cette capacité de restauration. Je suis désolé, que ce soit les compléments alimentaires que l'on fabrique soi-même avec des jus ou des graines germées ou des jus d'herbe, ou des compléments alimentaires de très bonne qualité, comme certains laboratoires les proposent. Eh bien, moi, depuis 27 ans que je fais ce métier, j'ai vu à plusieurs reprises des moments difficiles accompagnés grâce à des compléments alimentaires et qui n'ont eu aucun effet secondaire dans le temps. Oui, en fait, Donc, c'est le corps. c'est cette rigueur de certains hygiénistes qui, à mon avis, est à certains moments un peu discutable. Par contre, ce qui est intéressant dans leur logique, c'est qu'ils préconisent ce qu'on a, chez les hygiénistes, on préconise la notion de paix thérapeutique. Ça, par contre, j'y adhère, c'est le fait d'intervenir le moins possible. Le corps est capable de s'autoréguler autant qu'il n'y ait pas de carence fondamentale, mais cette paix thérapeutique, certains naturopathes devraient s'en inspirer parce qu'il y a certains naturopathes qui, à l'opposé des hygiénistes, auraient tendance à être trop interventionnistes, à intervenir On dit, trop souvent et fréquemment. oui, on dit parfois un peu que les naturopathes, c'est des médecins naturels, quoi. Ils prennent le symptôme et ils le traitent de manière naturelle et pas Voilà. avec l'allopathie. Alors ça, peut-être, c'est justifié chez certains naturopathes, et je pense que chacun doit faire un peu de ménage. Voilà. C'est-à-dire que les hygiénistes qui sont un peu trop rigoureux gagneraient à être un peu plus souples, sans pour autant vendre leur âme. C'est-à-dire que je suis d'accord qu'il faut être le moins interventionniste possible, il faut favoriser les processus de régulation, l'homéostasie. Et le fait que l'intelligence somatique du corps, ça, j'adhère à ce propos. Par contre, à certains moments, c'est bien d'accompagner parce que certaines fois, Oui. lorsqu'il y a des graves carences, l'organisme ne peut pas remonter. Par exemple, je donne un exemple, la doctoresse Kousmine qui a participé, contribué à la guérison de sclérosée en plaques, ce qui est quand même… Il y a des personnes qui étaient en chaise roulante, et qui, grâce à la doctoresse Kousmine, ont quitté définitivement la chaise roulante, ce qui est quand même exceptionnel. Eh Tout à fait. bien, elle préconisait, par exemple, dans la sclérose en plaques, des grandes quantités d'acides gras, en l'occurrence oméga-6, cette huile qui est très souvent décriée, soi-disant pro-inflammatoire, et ça, on pourra en rediscuter. Eh bien, des instillations via… elle utilise ce qu'on appelle des ampoules, des poires à lavement, où ça lui permettait tous les soirs, elle faisait faire un lavement à ses patients et ensuite elle leur proposait une instillation grâce à une poire de 60 millilitres, je crois, d'huile de tournesol. Et puis cette huile, en fait, restait dans le côlon toute la nuit et les personnes qui étaient très carencées utilisaient carrément toute cette huile. Puisque dans la sclérose en plaques, on sait que la myéline et la gaine de Schwann ont été altérées. Et la myéline et la gaine de Schwann sont faits de quoi? De corps gras. Donc, le fait d'avoir un apport très important de corps gras, en parallèle d'autres techniques, évidemment, ont contribué à la restauration de la gaine de myéline et de la gaine de Schwann. Et ces personnes ont pu de nouveau se lever et ne plus être sur chaise roulante. Moi, je trouve ça remarquable. Et ce médecin a utilisé des aides. Si elle n'avait pas utilisé cette huile en grande quantité, eh bien, franchement, on peut s'interroger sur la guérison. À mon avis, elle n'aurait pas eu lieu, la guérison. Et des médecins qui peuvent se targuer d'avoir contribué à la guérison de personnes de sclérose en plaques, il n'y en a pas beaucoup en France et même partout dans le monde. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César et il faut s'intéresser
au mécanisme, comment la doctoresse Cousmine a contribué à ces guérisons spectaculaires. Et il y a un autre médecin qui a eu aux États-Unis, qui est le docteur Waltz, qui a eu elle-même une sclérose en plaques. Elle a utilisé des compléments alimentaires associés à une alimentation hyper riche grâce à des jus verts, des légumes, etc. Et elle est sortie de sa chaise roulante. Alors, oui, en parallèle, Dominique. Excuse-moi. En parallèle, Dominique Guyot, par exemple, s'est aussi sorti de la sclérose en plaques en ayant une alimentation crue, omnivore et en sensorielle. Voilà. Donc, sans apport autre que l'alimentation. Voilà. Toute cette discussion, c'est pour expliquer que le corps est capable, bénéficie d'une intelligence fantastique. Remarquable. Ça, je veux bien le croire, qu'il a une capacité de régulation et d'autoréparation fantastique. J'y adhère aussi, mais qu'à certains moments, il faut l'aider. Alors, l'aider ne veut pas dire que c'est nous qui avons guéri, parce qu'après, quand on amène ces molécules, il faut bien une intelligence pour les utiliser à bon escient. Mais il faut une aide. Voilà, quelqu'un qui est en train de se noyer, ben, il a besoin d'oxygène. Donc, je crois que ce concept où il ne faut jamais intervenir, ça demande de la réflexion. Par contre, certains naturopathes qui sont trop interventionnistes et qui utilisent des techniques que je ne vais pas parler ce soir parce qu'elles sont très polémiques et je n'ai pas envie de rentrer là-dedans ce soir, mais qui sont très discutables, ça aussi, c'est un extrême. Et je pense d'ailleurs… Comment ? Florence demande qu'en est-il des purges préconisées par certains ? Ben, je ne voulais pas en parler, mais les purges, c'est quelque chose auquel je n'adhère pas. Je sais que certains naturopathes sont très friands. Alors, les hygiénistes, eux, ils critiquent. Et personnellement, alors là, je me sens bien hygiéniste en critiquant la purge d'huile de ricin. En fait, moi, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, ce n'est pas les discours, c'est les faits. Moi, j'ai rencontré plein de personnes qui avaient fait la cure d'huile de ricin. Ils ont eu énormément de conséquences pénibles et douloureuses, voire des dommages, certains au niveau de la muqueuse. Comment ça fonctionne une purge? En fait, vous irritez la muqueuse avec un toxique. Ce toxique, l'organisme, dans son infinie intelligence, va vouloir va sécréter de l'eau pour diluer le poison et l'éliminer. C'est ça qui provoque la diarrhée. C'est cette eau qui arrive de la muqueuse intestinale et qui provoque la diarrhée. Et du coup, grâce à ce soi-disant mécanisme, vous évacuez, vous libérez l'intestin et le côlon. Sauf qu'en faisant ça, vous avez agressé la muqueuse. Et quand vous agressez la muqueuse, c'est grave parce qu'une muqueuse qui est altérée, ça veut dire que la muqueuse, c'est quelque chose de fragile. Elle fait 1/40 de millimètre. Elle est plus fine qu'une peau d'oignon. Et donc, si vous l'altérez, vous avez des macromolécules, toutes sortes de toxiques qui ne devraient pas rentrer dans le sang. Ils vont pouvoir rentrer dans le sang et ensuite provoquer des réactions infectieuses ou immunitaires ou des réactions, en tout cas immunitaires, des réactions d'allergie, etc. Donc, c'est très grave d'avoir une muqueuse trop poreuse parce qu'une muqueuse intestinale est forcément poreuse, mais il ne faut pas qu'elle soit excessivement poreuse. Et la purge contribue à l'huile de ricin, contribue à l'altérer et avec des conséquences gravissimes. Moi, j'ai rencontré un jeune qui a 25 ans qui a suivi une purge de l'huile de ricin par une personne qui la préconise souvent. Et il a fait ça dans les règles de l'art, selon les conseils qu'on lui a donnés. Aujourd'hui, les conséquences sont très graves pour lui. Il a un ventre qui est ballonné constamment. On a tout essayé. C'est très douloureux pour lui. Il a un ventre toujours ballonné. Et ceci depuis la purge à l'huile de ricin. Et j'ai rencontré d'autres personnes qui ont vécu les mêmes choses. Donc après, il y a... Oui, moi j'ai aussi rencontré des gens qui ont eu l'impression de mourir. Hein. J'ai aussi rencontré des gens qui ont eu l'impression de mourir avec cette purge. Ouais. Donc voilà, ça c'est ce genre de pratique auquel un hygiéniste n'adhère pas. Et là, je me sens vraiment hygiéniste. Je ne critique pas l'huile de ricin parce que je suis hygiéniste et qu'il faut à tout prix ne pas intervenir. Je critique l'huile de ricin parce que factuellement, beaucoup de témoignages démontrent que ça peut vraiment provoquer une altération importante de la muqueuse intestinale. Donc, je ne vois pas pourquoi on va utiliser de l'huile pure de ricin alors qu'on a bien d'autres techniques si on veut réguler l'intestin.
Donc, selon toi, quels sont les paramètres à changer pour améliorer sa santé? En fait, alors ça, j'en reviens aux fondamentaux de l'hygiénisme. Si on veut être en bonne santé, il n'y a pas à tergiverser. Il faut respecter. C'est comme une voiture. Si vous voulez que votre voiture marche, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez votre mode d'emploi et vous essayez de respecter son fonctionnement. Le corps humain, c'est la même chose. Il faut respirer un air de bonne qualité, boire une eau de bonne qualité, manger une alimentation à densité nutritionnelle importante, avec aucun additif. On fait une alimentation de bonne qualité, on ne devrait rien lui avoir enlevé et il ne faut rien rajouter en additif de synthèse. Donc une alimentation la plus naturelle possible, la moins cuite possible. Alors on peut cuire un peu les aliments, mais il faut faire un équilibre entre les aliments crus et les aliments cuits. Il est indispensable de manger régulièrement des aliments crus, sans quoi on va être petit à petit carencé en micronutriments et les micronutriments à la longue provoquent des maladies aussi graves que le cancer ou les troubles cardiovasculaires. Donc, ce n'est pas parce que c'est une toute petite molécule qui manque que ça n'aura pas d'incidence grave. À l'époque, il y a un siècle en arrière, on avait des carences fondamentales comme la carence en vitamine C qui provoque le scorbut Oui. ou bien une autre, la vitamine B, je ne sais plus, c'est la B12 ou je ne sais plus laquelle. Lorsqu'on est en manque, on a le beri-béri. Bon, bref. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans des carences fondamentales, on est plutôt dans ce qu'on appelle des infracarences, des sous-carences, des toutes petites carences, mais qui, à la longue, causent des déséquilibres biochimiques qui sont aussi graves que des carences fondamentales. Et donc, de manquer d'oligo-éléments, de vitamines, de minéraux, peut à la longue être à l'origine de cancers ou de maladies très graves. On me demande, la Nathanaël, quid des molécules de Maillard pour les aliments cuits? Oui, alors les molécules de Maillard, c'est les molécules qui sont générées lors d'une cuisson excessive. Lorsqu'il s'agit d'une protéine, on parlera d'une protéine glyquée. Lorsqu'il s'agit d'un sucre, on parlera d'acrylamide. Lorsqu'il s'agit d'un corps gras, on dira que le corps gras a été oxydé. En fait, il y a un autre terme qui signifie que le corps gras a été altéré, une peroxydation lipidique. Peu importe les termes qu'on utilise, trop cuire modifie la molécule de base et la rend toxique. Il se trouve que il n'y a pas d'enzyme dans l'organisme capable de neutraliser une molécule grillée ou brûlée ou trop cuite. Et ces molécules toxiques vont rester dans la cellule et provoquer des désorganisations cellulaires, même au niveau du noyau, et à long terme, avec la répétitivité, peut créer une altération du chromosome et donc un cancer. Donc, tout ce qui est les croûtes de pain, tout ce qui est tous les goûts un peu qui nous plaisent dans certains cas, comme la peau du poulet grillée, la sardine grillée, etc., le café grillé, le chocolat torréfié, tout ça, eh bien, malheureusement, ce n'est pas favorable à la santé. C'est pour ça que le crudivorisme a des intérêts et qu'on voit des gens améliorer leur santé. Après manger 100% cru, comme dirait l'autre, ça se discute parce que ça peut aussi générer des inconvénients. Moi, je pense Manu que. demande pourquoi conseillerais-tu le cuit? J'imagine pour quels éléments, pour quelles raisons, dans quelles circonstances tu conseillerais le Voilà. cuit? Le cuit, c'est indéniable, facilite la digestion. Une digestion, un aliment qui est cuit, certes, il a été altéré d'une partie de ses principes, ça je l'accorde, mais surtout pour nos estomacs, nos intestins qui sont pas les mêmes qu'à l'état. On parle souvent des hommes, comment on appelle ça, le régime paléo, etc. Sauf qu'ils avaient des capacités digestives beaucoup plus puissantes que nous. Mais aujourd'hui, certes, on a des appareils digestifs et on a une vitalité qui est beaucoup, comment dire, moindre que nos ascendants. Mais en tout cas, il est indéniable que cuire les aliments, ça apporte de la chaleur, ça facilite la digestion, ça, voilà, ça, c'est indéniable. Alors, moi, je ne dis pas qu'il faut manger 100%
cuit, et ça serait une erreur. Je pense que mixer un peu de cuit et un peu de cru, c'est tout à fait viable. Et en tout cas, on peut discuter des heures et des heures. Regardez les personnes qui vivent le plus longtemps possible aujourd'hui sur la planète, comme Yves Calman, comme beaucoup de centenaires. C'est souvent, je suis désolé de le dire, c'est souvent des omnivores qui alternent un peu de cuit et de cru. Donc, on ne peut pas critiquer fondamentalement la cuisson. Elle a des intérêts organoleptiques, il y a aussi la chaleur qu'elle apporte, elle facilite la digestion, mais il faut que ça soit associé à des éléments crus, autrement on va être carencé en nutriments. Mmh. Ensuite, il y a certaines personnes qui optent pour le 100% cru, et bien si elles peuvent le faire, si elles bénéficient d'une digestion, d'une capacité digestive qui leur permet de faire ça sur du long terme, sans aucun effet secondaire, ben moi, il n'y a aucun souci, je valide. Là-dessus, moi, mon expérience me montre que effectivement, le cru mélangé avec les recettes de cuisine qu'on voit fleurir un peu partout sont très compliquées à digérer. En revanche, le monoaliment est très facile à digérer. Le monoaliment en cru. D'accord. Ça, c'est l'expérience que j'ai pu observer, quoi. Ouais. Mais effectivement, le cru peut pas fonctionner. Le cru mélangé peut pas fonctionner pour tout le monde. Nathalie demandait qu'est-ce que tu penses des jus de légumes. Le cru mélangé ne peut pas fonctionner pour tout le monde. C'est le cru comme source unique d'aliments qui peut pas fonctionner pour tout le monde. Mmh. Nathalie demande du coup que penses-tu des jus de légumes qui sont dits comme également facilitateurs de digestion, etc. Alors, l'intérêt des jus de légumes, je fais une distinction pour moi entre les jus de légumes et les fruits, hein, que ça soit clair. Mais les jus de légumes, surtout les jus de légumes verts, c'est extraordinaire. C'est surtout si vous faites des jus, par exemple, vous mettez un peu de carotte pour agrémenter le goût et vous mettez ensuite du choucal, surtout les légumes verts foncés qui sont très riches en chlorophylle, qui sont très riches en… Alors, pour le chou, il contient du sulforaphane, qui est une molécule qui est très favorable pour le foie. En l'occurrence, il contient du soufre. Et le soufre est un oligoélément qui est très important pour les processus de sulfoconjugaison pour détoxifier l'organisme. Donc, faire des jus de chou additionnés avec un peu de carotte pour agrémenter le… et plus éventuellement un peu d'eau de mer, si on veut, pas obligatoirement. C'est, moi, je propose souvent ces approches-là à mes patients, mes patients clients, et j'ai des retours très intéressants. Les jus de légumes, c'est une manière naturelle de complémenter son organisme et puis avec en micronutriments. Une très biodisponible et avec une intensité en termes de minéraux, quoi. Les légumes, surtout les légumes verts, sont très chargés en toutes sortes d'oligo-éléments, de vitamines, de minéraux. Ouais. Est-ce que tu peux rapidement aborder le régime végétarien et des problèmes que ça implique avec la B12? Le végétarien ou végétalien? Parce que le végétarien, en principe, il n'a pas de problème. S'il mange des œufs, la vitamine B12, il a. Donc, il n'y a pas de problème. C'est le végétalien qui peut en avoir un. Donc, sans œufs, le vegan, quoi. On peut être végétalien et pas vegan. Vegan, oui, c'est oui. Végétalien et en fait, une approche plutôt… Ouais. Pas de cuir, pas de soie, pas de… Exactement. Et une approche idéologique derrière un peu plus poussée. Alors, le végétalien, lui, il peut être carencé en vitamine B12, entre autres, parce qu'on dit que la vitamine B12 se trouverait uniquement dans les sous-produits animaux ou dans les produits animaux, ce qui n'est pas faux. C'est difficile de trouver de la vitamine B12 dans les végétaux. Sauf que on en trouve dans… Alors, on ne trouve pas de la vitamine B12 dans les graines germées, on trouve de la vitamine B12 dans la pousse d'herbes de blé ou d'orge. Bon, déjà, il faut savoir la nuance. Oui. Ensuite, dans des algues, on dit souvent qu'il y a de la vitamine B12 dans les algues, ce n'est pas tout à fait vrai. Il paraît que c'est une pseudo-vitamine B12, mais ce n'est pas une véritable B12. Sauf que il y a des témoignages de médecins, il y a des témoignages de… Alors, j'avais lu un témoignage de médecin qui est intéressant parce qu'il parlait de lui-même et il parlait de ses patients qui étaient végétaliens. Ce sont des personnes qui se font suivre, analyser,
ils analysent régulièrement, ils font des analyses régulières pour vérifier qu'ils n'ont pas de carence en vitamine B12, eh bien, on s'est rendu compte que sans complément alimentaire, sans le fait d'apporter de la vitamine B12 grâce à des suppléments, ces personnes-là n'étaient pas carencées. Et pourquoi? Parce que, apparemment, il y a beaucoup de personnes qui ignorent cela. L'organisme est capable de fabriquer de la vitamine B12 à condition, si seulement si, de disposer d'une flore intestinale qui soit équilibrée et qui ne souffre pas de dysbiose. Dès qu'on a des carences, surtout ces gens végétaliens, il peut être facilement carencé en vitamine B12. La différence entre un omnivore qui a des troubles digestifs et un végétalien, c'est que l'omnivore, s'il a des troubles digestifs, il fabriquera plus de vitamine B12 peut-être, mais il en aura grâce à son alimentation, s'il mange de la viande, du poisson ou des œufs. Par contre, le végétalien, n'ayant pas de source nutritionnelle, eh bien, s'il a des troubles digestifs, il va le payer cash. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a souvent mis à l'index les végétaliens pour la vitamine B12 et on a critiqué le régime végétalien de manière globale en disant que c'était source de carence de vitamine B12. Beaucoup de médecins, aujourd'hui, nombreux sont les médecins qui disent que c'est faux et que la vitamine B12 est produite chez les végétaliens à condition que cette personne dispose d'une flore intestinale, d'un biote équilibré et qui ne souffre pas de ballonnement, de dysbiose, etc. Donc, en fait, c'est plus une histoire de flore intestinale que de carence fondamentale qui empêcherait les végétaliens et qui les carenceraient en vitamine B12, quoi, qui les Oui, empêcherait on en d'avoir. revient toujours au terrain, en fait. Selon notre C'est ça. terrain, on peut faire des choses ou pas. Quelles sont les carences, Sylvain demande, quelles sont les carences, les conséquences des carences en vitamine B12? Ben, la vitamine B12, elle contribue à la production de l'hémoglobine, si je ne me trompe pas. Et donc, elle a un rôle important. Et donc, quand on est en vitamine B12, on va avoir une difficulté à ce que la formule sanguine soit respectée. C'est tout. Et comme Oui, je crois que le. Comment? je crois que les symptômes, c'est des fourmillements au bout des doigts Ah au ben, on va avoir tous départ, les une problèmes perte liés de mémoire. à. Oui, voilà, c'est ça. À Attends, l'hémoglobine, carence en globules rouges. est-ce que tu peux nous donner des conseils face aux diverses drogues qui agissent comme des immunodépresseurs chez les jeunes et les moins jeunes? Alcool, drogue, tabac Pour parler de ce sujet-là, j'aimerais donner un exemple. Comme ça, les gens qui nous écoutent, là, ils vont mieux comprendre. On a fait une expérience et malheureusement, on a utilisé des rats. S'il y a des végans ou végétaliens, ils ne vont pas être contents que je parle de cette expérience, mais bon, je la cite puisqu'elle a été faite. Elle On a pris deux groupes de rats. Dans un premier groupe, on a proposé une alimentation classique faite de graines, c'est-à-dire de l'alimentation qui correspond à un rat. Et ensuite, un deuxième groupe de rats, on lui a proposé. Ah oui, je précise, elle bénéficiait de graines. Elle avait une écuelle d'eau et une écuelle d'alcool. Donc, on s'est rendu compte que les rats qui mangeaient bien ont bu de l'eau et n'ont pas bu une goutte d'alcool. Ensuite, on a donné à un deuxième lot de rats une alimentation type fast-food, c'est-à-dire alimentation junk food, poubelle, ultra transformé, salade, ouais. un burger, viande, etc. Ils ont cessé de boire de l'eau et ils ont bu de l'alcool. Pour Wow. quelle raison ces rats se sont mis à boire de l'alcool? Parce que lorsqu'on mange mal, il y a plusieurs mécanismes qui vont être générés. C'est-à-dire lorsqu'on mange mal, non seulement on avale des toxiques, mais on crée des carences. C'est-à-dire qu'on va être carencé en acides aminés, on va carencer, puisque l'alimentation fast-food, c'est des alimentations souvent qui sont. Il y a beaucoup à manger en termes de volume. Mais la densité nutritionnelle est très faible. Il y a Oui. peu de minéraux, il y a peu de vitamines, il peut manquer certains acides aminés, etc., puisqu'ils utilisent ils font des fritures, ils font des grillades, etc. Donc, on rentre dans les molécules glyquées. Voilà. Conséquence, si la personne ou l'animal manque de certains précurseurs, eh bien, ces précurseurs vont empêcher la genèse de certains neuromédiateurs comme la sérotonine,
l'acide GABA, la dopamine, etc. Et donc, c'est très simple à comprendre. Ces carences micronutritionnelles vont générer des carences en neuromédiateurs. Les carences en neuromédiateurs vont provoquer des troubles du comportement, c'est-à-dire la personne va se sentir ou l'animal va se sentir apeuré, perte de confiance, dépressive, toutes sortes de conséquences liées à ce manque de neuromédiateurs. Et qu'est-ce que va faire ou l'animal ou l'être humain pour compenser ces douleurs biochimiques, mais ensuite des douleurs émotionnelles? Eh bien, il va prendre des aliments ou des produits qui va anesthésier sa douleur, comme l'alcool ou les drogues. Et on s'est D'accord. rendu compte que plus un animal ou plus un être humain mange mal, plus il va partir vers les addictions au sucre, aux drogues ou à toutes sortes de produits. Et plus, au contraire, on alimente bien les gens, ou bien les gens s'alimentent bien, parce que c'est aussi une histoire personnelle. Une responsabilité personnelle, il ne faut pas ça, attendre ça du gouvernement, hein, parce que là, on pourra se lever tôt. Eh bien, à ce moment-là, la personne ne sera plus dans les déséquilibres biochimiques, elle sera plus dans le mal-être et elle utilisera beaucoup moins, elle sera beaucoup moins dans les addictions. Et ça, c'est quand même très intéressant, ce qui veut dire que la mauvaise bouffe favorise la consommation d'alcool, de drogue, de café, etc., pour nous soulager des souffrances biochimiques et émotionnelles générées par une alimentation de piètre qualité qui a créé des déséquilibres au niveau des neuromédiateurs. C'est un cercle vicieux. Et donc, si on face par exemple à un drogué ou un alcoolique, si on change son alimentation ou si on l'aide à changer son alimentation, ou si lui-même change son alimentation, est-ce que son addiction peut disparaître d'elle-même? Alors, c'est une bonne question. Et là, pour répondre à ta question, j'aime bien tout ce qui est factuel parce que, au-delà des discours, parce qu'à un moment donné, on pourrait me dire, mais c'est bien beau tes discours, mais factuellement, est-ce que c'est corrélé Est-ce que par les ça faits? fonctionne? Ouais. Ça l'est, ça l'est. Il y a, par exemple, le neurobiologiste Bielok. Non, c'est un neurochirurgien Bielok il parle d'expérience. Alors, est-ce que c'est lui qui les a faites ou de ses collègues? Ils ont pris des jeunes qui étaient dans des prisons aux États-Unis. Des jeunes Ouais. qui, souvent, là, je parle de criminels, hein, viols, meurtres, etc. Et on a fait des analyses sanguines, on s'est aperçu que la grande majorité était très carencée en micronutriments, magnésium, potassium, oligo-éléments, toutes sortes de choses. Et en général, le point commun avec beaucoup de personnes qui sont dans des établissements carcérales, donc prison, très souvent, ce sont des hypoglycémiques réactionnelles. Ce sont des gens qui sont en hypoglycémie de manière continuelle. Et on sait que beaucoup d'actes délictuels se passent au moment où il y a une hypoglycémie. Lorsque le cerveau manque d'oxygène ou De de glucose, glucose. la personne dit, elle ne peut plus régler réguler ses émotions. Et c'est pour ça l'hypoglycémie réactionnelle, voire l'hypoglycémie tout court, comme le dit un docteur Gilland, je crois, il dit que beaucoup de couples voient leur union brisée due à des réactions brutales d'un des partenaires, tout simplement parce qu'elles sont en hypoglycémie ou en hypoglycémie réactionnelle. Qu'est-ce que c'est l'hypoglycémie réactionnelle? C'est le fait de, par exemple, de manger un aliment à un indice glycémique élevé qui va apporter beaucoup de sucre. Donc, à un moment donné, le glucose va être en excédent, l'insuline va être sécrétée, mais malheureusement, le pancréas est détraqué de manière trop importante. Du coup, au lieu d'enlever juste la quantité de glucose dans le sang pour la mettre au niveau cellulaire, s'il y a trop d'insuline, trop de glucose va pénétrer au niveau cellulaire. Du coup, on va avoir une hypoglycémie réactionnelle. Donc, pour réguler l'hypoglycémie réactionnelle, il faut manger des sucres. Qui ont un indice glycémique faible ou moyen, plus d'aliments raffinés, plus de soda, plus d'hamburgers, de pain, voilà tous ces trucs-là, des frites, etc., qui provoquent de l'hypoglycémie réactionnelle. Pour en revenir à ta question, le fait de manger bien, eh bien, on s'est rendu compte que dans ces milieux carcérales, de manière spectaculaire,
la population qui a bénéficié de ces expériences était beaucoup plus calme et n'était pas dans la récidive de comportements asociaux ou délictuels, rien qu'en modifiant leur alimentation. Et au lycée Appleton, qui est un lycée aux États-Unis qui était connu parce qu'il y avait énormément de frictions entre les jeunes et entre le personnel encadrant, les professeurs, le directeur, etc. Un jour, le directeur, alors ils ont, dans un premier temps, ils ont utilisé la force, ils ont utilisé des vigiles, etc. Ça continue de plus belle. Un jour, le directeur de l'établissement a eu une idée géniale. Il a dit, on va tout simplement modifier l'alimentation. Il n'y aura plus de soda ça sera interdit. L'alimentation, ça sera une alimentation dominante bio-végétarienne sans aucun toxique. Le résultat était spectaculaire. Il y a eu une augmentation des capacités cognitives des jeunes. Le QI a augmenté. Les résultats scolaires ont augmenté de manière significative et les altercations entre les jeunes ont quasiment disparu au point que les vigiles, on leur a demandé de quitter l'établissement. Donc, ça, des exemples comme ça, il y en a à pléthore. C'est-à-dire qu'on voit que chaque fois qu'on utilise l'alimentation à bon escient, on obtient des régulations dans les comportements asociaux, les capacités cognitives. Et lorsqu'on se laisse aller à carencer l'alimentation et en plus de ça, ajouter des toxiques, eh bien, les résultats, c'est la délinquance, les comportements addictifs et le manque de concentration et les capacités cognitives qui baissent. Ouais, Jean-Guillaume demandait comment faire pour avoir une bonne flore intestinale. Du coup, quel conseil? Parce que ça détermine même notre. Pour avoir une bonne flore intestinale, il faut déjà manger équilibré. Équilibré, ça veut dire que toutes les classes alimentaires soient présentes, glucides, lipides, protéines, crudités, légumes, fruits, voilà. Ensuite, il faut surtout, alors respecter le terrain. Alors, je ne vais pas trop développer la notion de terrain, mais par exemple, il y a des gens qui peuvent plus manger de glucides que d'autres. D'autres qui peuvent plus manger de fibres que d'autres, d'autres qui peuvent plus manger de fruits acides. Quand je dis plus, c'est pas des quantités extrêmes, mais on n'est pas égaux en termes de capacité digestive. Donc la notion de terrain est importante. Et ensuite, il faut bénéficier d'une bonne digestion. Il est impossible d'avoir une flore intestinale équilibrée si, malgré qu'on mange bien, bio, équilibré, bio, tout ce qu'on veut, on a des digestions incorrectes. Dès qu'on a des digestions incorrectes, on rentre dans des déséquilibres de la flore qui va devenir majoritairement pathogène et donc ça sera impossible de gérer sa santé tant qu'on a des ballonnements. C'est pour ça que moi, lorsque je fais une consultation, je pose toujours des questions à mes patients pour voir si vraiment ils n'ont pas de troubles digestifs, de ballonnements, d'aigreur, etc. Parce que malgré une alimentation équilibrée et de bonne qualité, ils ne pourront jamais bénéficier d'une santé optimum. Sylvaine demande comment connaître son terrain? Aller chez un naturopathe hygiéniste, Eric Darche. Le terrain, c'est des notions qui. On ne peut pas dire ça en 2 minutes, hein, parce que je pense que le temps s'est déjà bien écoulé. Le terrain, ce sont des notions qui permettent d'appréhender de manière personnalisée une personne. Alors, déjà, je vais citer quelques notions. Il y a des gens qui sont de terrain nerveux. Il y en a qui sont plutôt lymphatiques, d'autres qui sont plutôt bilieux, sanguins. Donc déjà là, on commence à appréhender le tempérament. Mais le tempérament a forcément aussi des conséquences biochimiques, biologiques. Ensuite, il y a des gens qui ont un terrain hyper vital, qui ont une énergie incroyable depuis la naissance. Il y a d'autres qui sont des normales vitales, c'est-à-dire ils ont une énergie ni plus ni moins, mais assez équilibrée. Et puis, il y a des gens qui sont sous-vitales. Eh bien, les gens qui sont sous-vitaux, ils ne peuvent pas se permettre de faire certains excès que font les normales vitales ou les survitales. Donc, tout ça, c'est des notions que le naturopathe hygiéniste va définir en fonction de la personne qu'il a en face pour que ses conseils soient adaptés en fonction de la personne qu'il a en face de lui. Si, par exemple, j'ai en face de moi une personne qui est en excédent de poids, qui est bien joufflue, je vois, elle me dit qu'elle n'a aucun trouble digestif, celle-ci, je peux lui proposer, surtout si elle a un sang IP, par exemple, de prendre du jus d'orange à 17 h, un bon jus d'orange, pendant un petit peu, ou de pamplemousse, comme ça il y a moins de sucre. Par contre, si je donne ce même conseil à une personne
qui est en sous-poids, sous-vital, qui est sensible au froid, à la chaleur et à l'effort, en l'espace de quelques semaines, je peux la démolir, dans le sens qu'elle va être frileuse, elle va perdre toute sa vitalité. En fait, le même conseil donné à ces deux types de personnes, la première, je vais favoriser sa santé parce que les acides des fruits vont peut-être fluidifier son sang. Si elle avait un sang épais comme l'hémoglyse, ça va lui être favorable, surtout si elle a des troubles cardiovasculaires. Par contre, je donne ce conseil à une personne qui a les mêmes symptômes, mais qui, par exemple, a des problèmes cardiovasculaires, qui a un sang épais, mais cette personne est frileuse, sensible au froid, à la chaleur. Eh bien, cette personne, je vais accentuer ses faiblesses au point de la détraquer, quoi. Donc, on voit bien que la notion de terrain, Elle est très précise et importante. qui est comment je veux dire, la synthèse de tout certain, de toute une sorte de petits C'est une paramètres. enquête. Voilà, c'est Ouais. ça. C'est un peu, on pose des questions, on regarde le visage, on pose des questions pour voir comment elle réagit au froid, à la chaleur, aux acides, au sucre, etc. Et puis, après, on définit un terrain. Il y a plusieurs critères, mais bon, voilà. J'ai essayé d'être plus succinct. Isa demande, est-ce que c'est possible de guérir une dysbiose de façon naturelle? Ah ben, c'est un problème. Une dysbiose, ce n'est pas une grave maladie. C'est un déséquilibre de la flore. Sachant que la flore, c'est quand même quelque chose qui est fantastique et très important. Mais il suffit de faire un réglage alimentaire, de trouver les erreurs, de faire ce qu'un hygiéniste devrait faire. Il supprime les toxiques, il supprime les excès, il comble les carences, il voit si la personne ne fait pas ce qu'on appelle des associations alimentaires incompatibles. Voilà, il y a quelques techniques à connaître. Et puis une dysbiose, ça serait très bien. Super. Nathanaël, je vois aussi, disait qu'il lui semblait qu'il y avait, dans la notion de terrain que tu abordais, un lien avec les types de l'Ayurveda. Est-ce que toi, tu y vois une corrélation? C'est possible, c'est possible. De Ok. toute manière, toutes les médecines et l'hygiénisme, ce qui me plaît, c'est que dans l'hygiénisme, il y a du bon sens. Toutes les médecines qui incluent du bon sens ont des points communs. Puisqu'en fait, certes, on dit que tous les chemins mènent à Rome, mais lorsqu'on est dans le respect des facteurs de santé, qu'on est dans le respect de l'intégrité du corps humain, il n'y a pas 36 000 manières Oui, de de réussir, chuter. de trouver. Ouais. Après, qu'on fait de la médecine ayurvédique, de la naturopathie, de l'hygiénisme ou autre technique, on a une logique qui va rester assez similaire. Par exemple, les Chinois, ils font rentrer la notion de yin, de yang, le chaud, le froid, etc., les saveurs acides, etc. Mais nous, en Occident, on utilise moins ces notions. Mais quand je compare les deux démarches, on trouve beaucoup de points communs dans ces logiques, même si elles utilisent des mécanismes ou des points de repère qui sont un peu différents des nôtres. Nathanaël, encore demande si tu as des recommandations de livres pour améliorer la connaissance de son terrain et de l'alimentation. Pardon. Alors, je suis désolé. Toute bibliothèque. J'ai écrit 9 livres, donc peut-être que. Non, non, sans rigoler, j'ai fait un livre qui s'appelle La naturopathie, l'hygiénisme et l'alimentation vivante. Il paraît qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc j'en profite pour parler de mon livre. Non, non, sérieusement, je l'ai écrit pendant 3 ans, il fait 664 pages, et j'ai surtout un énorme, de très bons retours du public. Donc ça valide. Bon, je peux parler de ce livre parce que c'est Le moi qui l'ai écrit. connais? Après, il y en a sûrement d'autres. Elle veut un livre. Bon, après, il y a des bons auteurs. Il y a Robert Masson, que je trouve un naturopathe extraordinaire. Il y a aussi Désiré Mérien, André Pasbec, Kousmine, Seignalé. Voilà, on peut en trouver des bons livres et des bons auteurs. On va peut-être terminer avec juste peu de questions. Est-ce que cette crise du Covid a transformé tes conseils? Alors, pas du tout. Pas du tout, hein. T'étais déjà sur le bon chemin. J'aurais beaucoup de choses à dire sur le Covid, mais je crois que ce soir, je ne pourrais rien dire. Non, non, alors pas du tout, pas du tout. Tous les concepts que je propose, eh bien, il faut surtout les utiliser aujourd'hui. Parce que si on veut booster son système immunitaire, c'est que et uniquement par le respect des facteurs de santé.
Ça me semble une évidence et c'est pour ça que j'ai fait ces lives pour Voilà. redonner Alors, la moi, ce que connaissance. je vais quand même faire une parenthèse. Les gens qui veulent se protéger du Covid, qui mettent un masque toute la journée, déjà, ça, au niveau de la respiration, moi, j'ai vu des médecins qui se posaient des questions parce que, on a un air qui est saturé, bon, bref, en gaz carbonique. Et puis, à côté de ça, il n'y a aucun souci. Ils peuvent aller manger dans les fast-food, prendre de l'alcool, Ben avoir une on a vu avec alimentation la queue. pro-inflammatoire. Ce n'est pas grave. Ils ont le masque, ils se sont lavé les mains. Ils ont la bénédiction Et quand le des McDo rouvre, ils peuvent autorités. aller faire 3 heures de queue pour aller manger au McDo. Ça, est-ce que c'est du bon sens? Moi, je dis rien, je pose juste une question. Voilà. Je crois que c'est une question qui veut tout dire. Léonore demande comment et où peut-on apprendre plus sur l'alimentation sensorielle dont je parlais. Alors là, pour le coup, c'est moi qui peux en parler puisque c'est mon domaine. Et donc, moi, je propose des stages d'alimentation sensorielle qui sont basés sur tous les principes dont tu parlais. Simplement, c'est comment réapprendre à manger cru et en fonction de ce dont on a besoin. Nous-mêmes, sans avoir besoin d'apprendre tous ces principes que tu nous as exposés là et que tu connais parfaitement bien, mais avec notre capacité interne qui est l'olfaction et qui est un puissant mécanisme pour nous donner des informations là-dessus. Donc moi, je propose des stages d'alimentation sensorielle. J'ai pas du tout toutes tes connaissances en naturopathie qui sont fascinantes. J'ai la simple connaissance de nos processus spontanés. J'ai absolument pas de connaissances scientifiques. Une dernière question pour toi, et ensuite je pense qu'on pourra aller se coucher parce que c'est important de dormir tôt. Quel est le premier pas que tu recommanderais à un néophyte qui veut entamer un changement vers plus de santé, de liberté et de bien-être? Ben, le premier pas, ça serait une introspection. Et je reviens, je suis désolé de revenir. C'est quelqu'un qui devrait s'interroger sur le respect des facteurs de santé. Alors, le respect des facteurs de santé, ce n'est pas que l'alimentation, c'est entre autres l'alimentation. Déjà, il va s'intéresser à la qualité de ce qu'il mange. Est-ce que je mange de bonne qualité? Est-ce que je mange des huiles raffinées ou des huiles de première pression en foie vierge? Est-ce que je mange trop gras, trop sucré, et quelle est la qualité de mes sucres, quelle est la qualité des graisses. Donc voilà, c'est plein de paramètres à prendre en compte. Mais ce n'est pas très compliqué, hein. Si on va dans les grandes surfaces et dans les fast-food, là, on a tout faux. Si on va dans les magasins bio, où on commence à faire le tri un peu des aliments et qu'on équilibre toutes les classes alimentaires, protéines, féculents, lipides, et qu'on fait la part belle aux aliments crus d'origine, des crudités, entre autres. Eh bien là, on est déjà dans la bonne direction. Après, il faut s'interroger un peu sur qui on est, comment on digère, etc. Ça, c'est très important. Et après, il faut respecter tous les autres facteurs de santé, l'air, le soleil, les relations avec les autres, ne pas passer des heures devant l'ordinateur ou le téléphone portable, toutes sortes de conseils de bon sens. Et puis, tout ça corrélé ensemble et cogéré ensemble, eh bien, a priori, normalement, à la fin, ben, on a la santé. C'est tout. Super chouette. On va arrêter le live là. Tu pourras aller voir les commentaires. Il y a beaucoup de merci, de waouh, c'est impressionnant, incroyable et compagnie. Là, dernièrement, Gabi, merci beaucoup pour votre livre. Je pense que Et voilà, d'ailleurs, j'en ça a profite si été. tu m'autorises à signaler que à la fin de l'année, je vais accomplir une nouvelle étape dans mon métier. Après 27 ans de métier, c'est la création d'une école pour former des naturopathes hygiénistes avec tous les concepts que j'ai expliqués là. Et Et plus encore. plus encore, dans mes cours, il y aura les fondamentaux des hygiénistes et des naturopathes. Il y aura un dépoussiérage de temps en temps sur des choses que je trouve obsolètes ou pas très rigoureuses sur le plan scientifique. Et aussi, c'est vrai que bah, je ne m'en cache pas, et je l'ai souvent dit, je travaille avec des scientifiques, dont une biologiste, mais pas que. Et ça me permet de bénéficier, de faire bénéficier à mes lecteurs et à mes futurs élèves de connaissances les plus pointues. Et la science, alors la science, je m'en méfie, c'est-à-dire que la science dévoyée, je m'en méfie parce qu'elle existe. J'essaye de rechercher la vraie science et comment je fais? Ben, je fais des recherches, j'essaye de contrôler les informations que j'ai
par différentes sources. Et en plus de ça, j'essaye de voir si dans les faits, dans l'expérience, c'est validé ou pas. Pour moi, l'idéal, c'est quand l'expérience est corrélée avec l'approche scientifique. Lorsque la science me dit quelque chose et que l'expérience de nombreuses personnes me dit autre chose, eh bien, j'ai plutôt envie d'écouter l'expérience. L'idéal pour moi, c'est quand j'arrive à corréler les deux. Voilà. Oui, évidemment, quand la Et donc, théorie et la cette école pratique. ouvrira sur Internet, elle ouvrira à la fin de l'année. Et cette formation, ça sera une formation essentiellement sur le net avec un peu de présentiel qui se proposera juste avant la, sans doute 1 ou 2 mois, parce que dans la partie présentielle, on va surtout travailler avec les futurs naturopathes-hygiénistes sur la capacité à créer, à faire une consultation. Beaucoup de naturopathes-hygiénistes qui sortent de certaines écoles, ils sont farcis d'informations. Alors, on leur a appris énormément de choses. Ça prouve que l'école est très correcte. Simplement, des fois, j'en rencontre, ils ont du mal à synthétiser. Surtout dans les premières consultations, tout ça se mélange. Ils ne savent plus quelle est la priorité. Est-ce que je dois apporter de la phyto, de l'aroma ou réglage alimentaire? Donc, en fait, c'est surtout de l'expérience. C'est mon expérience. Pas que, hein, parce que tous les naturopathes sont capables de faire pareil. Mais en tout cas, moi, ce que j'essaye, c'est je vais faire au moins 40 heures. Oui, c'est ça, où il y aura, on va approfondir et optimiser une consultation, comment utiliser tous ces outils et comment adapter ces outils, la phyto, l'aroma, la nutrition, la gémo, les huiles essentielles, de manière prioritaire dans une consultation plutôt que dans une autre. Dans une consultation, on ne va pas tout utiliser en même temps. On va prioriser certaines choses parce qu'elles deviennent prioritaires par rapport aux besoins de la personne, de notre interlocuteur. Par contre, le réglage alimentaire, lui, devrait être toujours présent et très fin, et ça demande des connaissances fines. Voilà. En tout cas, moi, je ne sais pas comment on fait ailleurs, mais c'est ce que je propose, et je me suis beaucoup inspiré de Robert Masson, d'André Pasbec, de Kousmine, voilà, et puis j'en oublie sûrement, et j'ai beaucoup je remercie d'ailleurs tous ces gens qui m'ont beaucoup appris par leurs travaux. Et aujourd'hui, un peu comme aux Jeux Olympiques où on transmet une flamme, eh ben, j'essaie de faire pareil. Grâce à mon école et mes livres. J'imagine qu'on trouvera plus d'informations, on trouvera plus d'informations sur ton site dont j'ai mis Oui, le titre là sous la vidéo. Vous la voyez qui suis défiler. engagé, ça Voilà. fait 2 ans. Plus de 2 ans que je prépare cette école, je me suis engagé qu'au plus tard, à la fin de l'année, au 31 décembre, elle sera ouverte. Donc, je ne sais pas si c'est octobre, novembre, décembre, voilà, mais elle sera ouverte. Voilà. Donc confinement ou pas, c'est possible de suivre les cours en Ah ben ligne. oui, parce que l'intérêt d'une formation à distance, c'est que confinement ou pas confinement, on peut continuer. Ça, c'était le reproche qu'on me faisait, mais maintenant, ça devient un avantage. Voilà. C'est ça. Et puis En Nathanaël fait, demandait le quand système de étaient les formation à distance, prochains stages de etc. formation de l'alimentation sensorielle. Alors Dominique Guyot fait des stages aussi, mais pour l'instant il les met en pause. Et puis moi j'en propose le prochain, c'est un stage autour des familles le premier week-end de juin, le 5 et le 6 juin. Et le suivant, c'est un stage dans l'alimentation sensorielle un peu approfondi. Je crois que c'est le 27 et 28 juin. Voilà. Vous pouvez retrouver les informations sur mon site. Eh bien, je vous remercie pour tout ça. On se retrouve jeudi avec Aurélie Viard, qui nous parlera à 18h en live également. Alors cette fois-ci, j'espère qu'il y aura moins d'aléas. Elle nous parlera des ados, des enfants et des bébés, comment gérer l'alimentation vivante dans une famille nombreuse. Et ce sera un témoignage issu de l'expérience également. Voilà. Merci Eric. Merci. D'ailleurs, je Merci passe le beaucoup pour tout bonjour à ça. Aurélie, que je connais bien, avec qui je travaille aussi. Oui. Oui, tout ça, ça va faire un bon réseau de gens Oui. particulièrement intéressants. Non, non, elle est très bien, Aurélie. Je vous remercie à tous et puis passez une bonne soirée et à jeudi.
À jeudi. Au revoir et merci. Au revoir.